voix. C'est beau partout en fait, hein. C'est beau quand on écoute, c'est beau quand on regarde, c'est beau quand il nous parle parce qu'on l'aime beaucoup. C'est Loïc Noté qui est avec nous. Salut Loïc, merci d'être là. Et en plus, c'est une belle personne. Ouais, c'est un chouette garçon. Bon, bref, on est content de t'avoir. Loïc est avec nous pour cette fête de la musique. Il a décidé de faire un petit détour dans les locaux de RTL2. On va écouter une nouvelle chanson. Alors, elle est assez bouleversante cette chanson. On va l'écouter si tu veux bien, puis après on en parle tous les deux. Ouais. 29, Loïc Noté en live et en direct avec nous sur RTL2 dans le Drive. She said, I never want to hurt you again. I said, I never want this to come to an end. She said, look at me, baby, these tears will run out. I said, I took you for granted, but I can't be without you. Please, can we just say pretty lies, pretty lies, lie to each other again one last time? Slowly let me down. Every word pulls me apart. Gently tell me how to forgive. Talking about the past. As we were facing each other, we were falling apart. Yeah, please can we just say these pretty lies, pretty lies, lie to each other again one last time. So overnight, slowly let me down. Gently tell me how. Slowly let me down. Every word pulls me apart. To forgive me now.
c'est la version disque que vous avez entendu, mais la version live qu'on vient d'écouter était franchement pas mal. Les applaudissements aussi, s'il vous plaît, pour Léo, Léo. Oui. Le piano, pour Léo, c'est hyper beau. Et accompagne en plus, il faut qu'on vous avoue des secrets de fabrication. Ils sont dans notre studio, donc en fait, il fallait qu'ils répètent, mais entre deux interventions, enfin, c'était, ça va, vous avez réussi à vous en sortir. Oui, bravo Léo. Hein. Non, mais c'est vrai que c'était pas si simple que ça. Bon, alors. Elle est belle cette chanson. Alors, elle est magnifique. Mais alors, tu as travaillé, là, tu as répété devant nous pendant une heure avant. Cette voix, évidemment, c'est tellement impressionnant. Le secret, ton secret, c'est le travail ? Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Il faut travailler la voix avant. Là, par exemple, t'as beaucoup travaillé, t'as beaucoup chanté. C'est pour c'est pour la faire monter en tessiture. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout que, on dirait une grosse journée de promo aujourd'hui. Je me suis levée très, très tôt. Et du coup, quand la voix est fatiguée, je préfère éviter tout claquage. Donc, je préfère la chauffer un maximum. Sans trop la chauffer non plus, parce que sinon, ça la fatigue trop aussi. Donc. T'as pris des cours de chant ? Non. Ah, c'est non. Mais c'est des techniques que je vois par rapport à des reportages. J'ai beaucoup regardé Céline Dion aussi, notamment des reportages sur elle, pardon, quand elle disait justement qu'elle allait en tournée, qu'elle arrêtait de parler pour justement protéger sa voix. J'ai bien connu Céline Dion, on a pas mal travaillé ensemble. Je peux te dire qu'elle est, pire que toi. C'est-à-dire que quand, enfin, je veux dire, elle parle plus du tout, quoi. Elle dit pas bonjour, elle fait. mais au final, elle est encore là aujourd'hui, quoi. Ouais, donc c'est ouf. C'est une des plus belles voix. Je suis impressionnée par sa voix, moi, qui est toujours là, en fait. Bon, si on parlait de cette chanson. Elle est bouleversante cette chanson, histoire vraie. Oui. Raconte. Une rupture amoureuse, bon, c'est un peu comme tout quoi. Malheureusement, on a tous déjà vécu une, je pense. Sauf quelques chanceux, peut-être. Non, deux fois mais, plus, même. peut-être mais c'est une chance, une rupture amoureuse. Ça fait grandir. Ça fait grandir, ouais, c'est vrai. Ben, ça fait grandir, ça fait apprendre, mais après, c'est sûr que ça fait mal, quoi. Sur le coup, ça fait un peu mal, quoi. Mais... Bon, excusez-moi, sur le coup, t'as un peu envie de mourir, t'as envie de tuer l'autre aussi, des fois. Oui, enfin, je veux dire, l'autre qui t'a piqué ta chérie ou ton chéri, non. Ouais, c'est vrai, mais en plus, on passe par plein de moods différents, je trouve. Oui, en disant tu es l'autre, je montre Thomas qui réalise l'émission. Pas du tout, Thomas, tout va très bien. Restez calme. Le clip vidéo est magnifique aussi, il est tourné dans une voiture. Est-ce que c'est dans une voiture que pour le coup, ça s'est vraiment passé? Exactement, oui. Ouais. Ouais, et c'était un 29 octobre. Exactement. C'est pour ça, voilà. 29, la chanson. Tout ton prochain album va parler de cette rupture, de ta renaissance après cette rupture. Je pense, avec le recul, parce qu'évidemment, quand on crée, c'est toujours de façon inconsciente. Je me suis rendu compte que toutes les compositions ont un lien, effectivement, avec cette histoire qui s'est terminée. J'ai composé vraiment plein de morceaux. De moods très différents, quoi. On peut avoir des morceaux qui donnent envie plutôt de danser, des morceaux qui donnent plutôt envie de pleurer, ou des morceaux. Ça dépend, c'est vraiment par plein de. Enfin, c'est tous les moods par lesquels je suis passée, toutes les humeurs qui m'ont traversée pendant, on va dire, entre guillemets, ce deuil, sans vouloir trop dramatiser la chose, mais c'est un peu comme ça, une rupture, quoi. Parce que c'est quand même une période dingue que tu es en train de vivre, hein. C'est-à-dire, tu vas de succès en succès. Il y a ce premier album, il y a l'explosion, il y a la tournée, et puis là, une rupture amoureuse et une forme de renaissance avec l'album. Qu'est-ce que tu avais envie de raconter quand même, avant même cette rupture amoureuse ? Qu'est-ce que ça donne envie de raconter un album, du coup ? Surtout quand c'est le deuxième. Mais je savais pas, en fait. C'est ça que je me disais aussi en tournée. Enfin, un peu avant la tournée, je me disais, oh là là, les gens ont vraiment bien aimé cette infographie. Mais qu'est-ce que je vais raconter maintenant ? Qu'est-ce que je vais te dire, en fait ? Je savais vraiment pas. Et ça s'est fait tout naturellement via ce 29 octobre, en fait. Et c'est de là que tout a pris forme. Parce que, je veux dire, sur scène, j'ai envie de raconter... tout ça de façon métaphorique, quoi, avec des personnages, pour apporter un peu de fantaisie quand même, parce que j'aime bien quand on perd un peu la notion de réalité, quoi, en fait. Oui, alors justement, ce prochain album qui devrait arriver à l'automne, hein, on n'a pas encore de date précise ni de nom, d'ailleurs. N'hésite pas à donner tout ce que tu veux sur cette antenne. L'heure, la date, la couleur de la pochette, comment tu seras habillée sur scène et avec qui tu vas monter. Il faut aussi les numéros de sécurité sociale des gens qui vont monter sur scène. En tout cas, il va s'agir de quelque chose d'un petit peu conceptuel où chaque chanson va se répondre au travers de personnages. Oui, c'est ça, voilà. C'est un concept, exactement. Et chaque personnage aura sa chanson. Après, c'est fait. Ça va pas être le carnaval sur scène. Hein. Ça va être. Voilà, je vais regarder à ce qui a un certain esthétisme quand même, que ce soit beau et que. Mais surtout qu'il y ait un vrai message aussi derrière. Parce que c'est vrai qu'une rupture, c'est triste. C'est difficile. Mais je pense qu'il faut surtout en garder un maximum de positif, quoi, ce que la relation nous a apporté et comment on en ressort, enfin surtout plus fort, quoi, parce que c'est souvent comme ça, finalement on apprend plein de choses sur soi aussi. Et la beauté fait toujours partie du voyage, y compris dans les chansons, mais aussi sur le visuel, sur la manière dont tu travailles sur ton look aussi, j'adore ça. C'est-à-dire que ça fait partie de ton travail artistique, c'est-à-dire de travailler sur tout ce que tu peux trouver beau. Ouais,
Ouais, c'est important pour moi. Enfin, tout, à 360 degrés. Le stylisme. Le visuel, ouais, le stylisme, le visuel, plutôt, les clips, la scénographie, les vêtements qu'on portera sur scène, les vêtements que je porte dans le clip aussi, enfin, dans les clips. Enfin, voilà, tout ça, c'est ultra important que je garde un contrôle. Après, je m'entoure quand même de personnes qui me conseillent, qui me disent, OK, ça, ça va pas, ça, ça fonctionne, voilà. Donc, j'écoute quand même, mais c'est vrai que, j'aime bien que tout sorte de ma tête un maximum. Juste une question sur le son. Si toutes les chansons sont dans des humeurs un petit peu différentes, t'as travaillé avec des producteurs différents ou il y a quelqu'un vraiment qui Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Oui, exactement. Ici, j'ai travaillé pour 29, j'ai travaillé avec Sacha Skerbeck, avec qui j'avais travaillé pour On Fire. Pour les paroles, je veux dire, parce que pour la production, c'est les Sky Dancers. Donc, il y a eu Sacha, il y a eu les Sky Dancers, il y a eu un autre producteur qui s'appelle aussi 29, pour le coup, pour une autre chanson. Enfin voilà, je me suis vraiment entourée de personnes qui venaient d'environ différents, quoi. On va parler tout à l'heure des inspirations hein, qui t'ont amené à faire ce produit-là. J'ai envie de parler de produit, mais alors que ça n'en est pas du tout. Mais d'abord, on va écouter. Non, mais c'est vrai, c'est pas un produit, c'est un disque, c'est des chansons, c'est joli. On va faire la cover. Tu veux bien? Il a accepté de nous jouer le jeu évidemment de la cover, Loïc. Et en l'occurrence, c'est une reprise de Rihanna qui s'appelle Stay, une chanson que on connaît tous, hein, et puis qui va encore une fois montrer des prouesses vocales fort probablement vrai, de la part de Loïc Noté. On a entendu les répètes, c'est pour ça qu'on nous dire ça. Loïc Noté en live avec nous sur RTL2 au piano, c'est Léo. Bye.
stay. Loïc, noté dans le drive RTL2, c'était très très beau. Rihanna, ça fait partie de tes influences, Loïc. Ouais, Rihanna. Surtout ce morceau, j'aimais vraiment bien celui-là. On évoquait Céline Dion, il y en a d'autres, Rihanna, Céline Dion. J'aime beaucoup Imagine Dragons par exemple aussi, ouais. C'est un tout autre style, mais c'est vrai, j'aime beaucoup Imagine Dragons. Je suis un grand fan de Queen aussi, Freddie Mercury. Quelle voix. Oui, énorme. Enfin voilà, je reste toujours, je sais pas comment il fait. Je suis toujours impressionnée par quand j'entends un morceau de Queen. Ouais, c'est vrai. Je suis toujours impressionnée par les performances vocales de Freddie Mercury, quoi. Enfin, je. On va en parler un peu plus tard dans l'émission tout à l'heure, mais il y a une chanson qui n'était, enfin une chanson inédite de, avec un clip qui sont sortis de Freddie Mercury. Dont on va parler tout à l'heure. Ouais. Bon, en tout cas, c'est toujours impressionnant. Rendez-vous sur scène. Ce sera à la salle Playel le 25 octobre. Donc l'album, tu nous as dit, il va s'appeler. Tam tam tam. Et il sort quelle date autour du 25 octobre Normalement, ce sera au courant du mois de septembre-octobre. Il n'y a pas encore de date précise, mais on se fixe ça comme deadline en tout cas. Et le rendez-vous, c'est donc le 25 octobre à la salle Playel de Paris. Exactement. C'est ton seul concert français pour l'instant. Pour le moment, oui. Ouais, ouais. On commence par un en Belgique et un à Paris, un peu comme des avant-premières, quoi, pour démarrer tout doucement. T'as envie de quoi pour ce concert? Que ça remplit. Ah mais ça, alors là je vais te dire, c'est même pas la peine d'y penser, c'est déjà fait, c'est pas ça le souci. Non mais t'as envie de faire quoi? T'as une idée? Pas encore, Oui, je sais, ce qu'il y aura sur scène. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, c'est déjà clair dans ma tête. Après maintenant, il faut tout mettre en place. Ça c'est une autre histoire. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cet été. C'est prévu quoi cet été? Du taf, justement. On part à New York en fait en juillet pour mixer l'album. Ouais. Ensuite, je redescends une petite semaine à Los Angeles pour un peu de chiller et un peu de vacances, quoi. Et ensuite, tout le mois d'août, c'est résidence et résidence. Travail. En fait. Voilà, ouais. Juste avant qu'on se dise vraiment au revoir, est-ce que tu te souviens de ta première fête de la musique, Loïc? Je pense que c'était il n'y a pas si longtemps. C'était les Francofolies, un festival en Belgique qui s'appelle les Francofolies de Spa. Ouais. C'était l'un de mes premiers festivals extérieurs. Donc, pour moi, c'était l'une des plus grosses fêtes musicales que j'avais vécues parce que les gens étaient vraiment fous. En plus, il pleuvait, ils étaient là. Donc, c'était génial, quoi. Donc, s'il pleut par chez vous pour ce soir, pour ce que vous avez prévu pour ce soir, c'est pas grave. Merci, Loïc. Merci mille fois d'être venu. On t'aime beaucoup, tu le sais. Il faut que tu l'entendes. Et puis j'espère qu'on te reverra au mois d'octobre pour la sortie de l'album. Avec grand plaisir. Ciao à tous. Salut. Merci beaucoup.